Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir à la 6e session d'atelier de la série Boîte et outils en sciences humaines numériques. Je suis Jada Watson, coordonnatrice de sciences humaines numériques à la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa. Good morning and welcome to the 6th series session of the DH Toolbox series. I'm Jada Watson, coordinator of the Digital Humanities at the University of Ottawa. Before we begin today, I'd like to start our session with an Indigenous land affirmation. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date, l'unissant ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. We pay respect to the Algonquin people who are the traditional guardians of this land. We acknowledge their long-standing relationship with this territory, which remains unceded. We pay respect to all Indigenous people in this region from all nations across Canada who call Ottawa home. We acknowledge their traditional knowledge keepers, both young and old, and we honor their courageous leaders past, present, and future. Je suis heureuse d'accueillir ma collègue Sylvie Grosjean du département de communication aujourd'hui. Professeur Grosjean est titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les technologies numériques de santé. Nous sommes très chanceux d'accueillir le professeur Grosjean pour une présentation sur l'intelligence artificielle et des technologies de santé accessibles, inclusives, signifiantes et empathiques. Un sujet très important, voire de plus en plus important dans notre monde dominé par la technologie. Avant de céder la parole et l'écran à notre invité, je demande à vous de s'assurer que vos caméras et vos micros sont en sourdine. S'il vous plaît, réservez vos questions jusqu'à la fin de la période et je faciliterai la période de questions. Donc, merci Sylvie de nous rejoindre aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est l'occasion de pouvoir échanger avec vous et partager un petit peu les réflexions sur ce sujet-là. Comme vous voyez, le titre de ma présentation, c'est « Prendre soin de soi avec l'intelligence artificielle ». Donc, c'est un petit peu provocateur aussi dans ce sens-là. C'est cette idée de comment ces technologies-là, technologies de santé, on verra, elles sont multiples, peuvent nous aider justement à nous accompagner dans la prise en charge de notre santé. Alors, tout d'abord, peut-être un petit état des lieux avant de commencer. Quand on regarde un peu dans la littérature, les technologies d'IA en santé sont ce que j'appelle des technologies ambivalentes. Elles sont ambivalentes parce qu'elles génèrent des émotions très contrastées. C'est-à-dire, à la fois, on peut être enthousiaste, on trouve que c'est une révolution, et effectivement, donc des émotions plutôt positives. Et puis, à contrario, parfois, c'est plutôt des émotions négatives qu'elles vont générer, donc de la méfiance, de l'inquiétude, etc. Donc, on retrouve beaucoup ça dans la littérature, cette ambivalence-là des technologies. Puis c'est une ambivalence parce que justement, ce que nous montrent certains auteurs, c'est qu'il y a des enjeux émotionnels importants. Certains auteurs vont dire que ce sont des technologies froides, c'est des technologies pour lesquelles le rapport de confiance n'est pas là, ou qui manque d'empathie, ou etc. Par exemple, on a un exemple ici d'une recherche qui a été menée par Zhang, qui est intéressante parce qu'ils ont essayé de comprendre la perception des patients qui utilisent l'intelligence artificielle en radiologie. Et ce qu'ils montrent d'ailleurs, c'est justement la confiance qui n'est pas forcément présente avec les résultats qui sont générés par l'algorithme et avec les recommandations qui sont envoyées aux patients par l'algorithme. Donc, il y a vraiment un déficit de confiance et ça, on le retrouve dans la littérature. Notre auteur qui a beaucoup travaillé sur les données qui sont générées par les algorithmes d'IA, c'est Sarah Pink qui d'ailleurs développe la notion de data anxiety, donc l'anxiété par rapport à la donnée, donc ces données qui peuvent générer de l'anxiété, surtout quand ça touche à sa santé. On peut imaginer effectivement que de recevoir des résultats peut être anxiogène d'une certaine manière. Donc, il y a des enjeux émotionnels, il y a des enjeux interactionnels aussi, parce qu'on est amené à interagir avec ces technologies-là.
Et donc à communiquer avec elles, à les utiliser, à interagir. Et puis, certains auteurs vont dire, ben, il ne faut pas sous-estimer le travail que l'humain va devoir faire justement pour interagir avec ces technologies-là. Alors, certains vont parler de travail invisible, donc un travail qui est invisibilisé, dont on ne parle pas forcément toujours, mais qui est là et qui est présent. Ou alors d'autres comme Gray et Suri vont parler de travail fantôme, hein, justement pour montrer que quand on est un utilisateur de ces technologies-là, parfois pour se faire comprendre la technologie ou pour interagir avec cette technologie-là, on doit travailler fort. Puis d'autres auteurs qui ont mentionné la question de la valeur des données, donc notamment la valeur sociale des données. C'est les travaux de Gina Neff, par exemple, ou de Deborah Lupton sur la data valence. Donc cette idée que les données qui sont générées par les algorithmes, elles doivent avoir de la valeur pour nous. Et quelles valeurs elles vont avoir. Donc ça, c'est des éléments aussi importants à prendre en considération. Puis l'autre élément, c'est la question, je dirais, plutôt sociale. C'est que quand on développe ce type de technologie-là, ce qui est mentionné dans la littérature, c'est qu'il y a une imprévisibilité des trajectoires d'usage. C'est-à-dire que je ne peux pas anticiper complètement à 100% comment les gens vont les utiliser. C'est impossible. Donc, les trajectoires d'usage, les usages que vont faire les gens de ces technologies-là, c'est imprévisible. On peut imaginer des choses, mais il y a toujours une forme d'imprévisibilité dans les trajectoires d'usage qui sont liées aussi au contexte social, hein. On voit bien qu'il y a une même technologie qui peut être développée en Amérique du Nord ou en Asie ou sur le continent africain, peut avoir des trajectoires d'usage complètement différentes parce qu'elle est dans des contextes sociaux différents. Puis, il y a aussi d'autres auteurs qui ont abordé la question que quand on utilise ces technologies-là, on va aussi leur déléguer une autorité. Alors, cette question de la délégation de l'autorité à la technologie, ça pose aussi des enjeux de responsabilité, par exemple pour les médecins, hein, qu'est-ce qu'on délègue à la machine? Et donc, du coup, ça vient interroger un certain nombre de, je dirais, de rapports qu'on peut avoir avec ces technologies-là, d'où cette ambivalence aussi. Donc, trois enjeux qu'on retrouve dans la littérature, puis c'est important de mentionner parce que ça montre aussi l'univers dans lequel le développement de ces technologies-là évolue. Alors, autre élément qu'on voit aussi plus dans le milieu du design, c'est on commence à avoir une critique aussi des approches de design de ces technologies qui existent. Et par exemple, certains vont dire ben, que faire du human-centered design, ce n'est pas suffisant. Que oui, c'est bon d'introduire une sensibilité humaine, mais c'est peut-être pas suffisant lorsque l'on commence à concevoir ce type de technologie-là, parce que ce sont des technologies qui, ben, évidemment, il y a des choix techniques à faire, mais il y a aussi des contraintes sociales qui sont à prendre en considération. Alors ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans la critique dans cette littérature-là en UX design, et puis qui nous invite aussi à ne pas porter uniquement une attention sur la technologie à designer, mais à s'intéresser à ces usages qui sont liés et qui sont induits par ces technologies-là. Donc, du coup, on va plutôt vers un design qui est orienté par les usages et par des pratiques situées plutôt que par des, je dirais, des attendus technologiques ou des innovations uniquement technologiques. Alors, c'est sûr que ces approches centrées sur l'humain pour concevoir les technologies, elles sont très répandues, hein. Elles sont dans le domaine de l'interaction machine, dans le domaine du UX design, etc. Mais il y a quand même des limites ou des questions qui sont soulevées par ces chercheurs dans ce domaine-là quand on est amené à concevoir des technologies basées sur des algorithmes d'apprentissage, donc qui intègrent une dimension IA. Ce que eux nous disent, c'est que effectivement, même si on a une orientation, une sensibilité sur l'humain, ce n'est pas suffisant pour à réaliser le plein potentiel de l'IA et prévenir aussi ben, tout ce qui est les conséquences involontaires de son usage en contexte social. Donc ça, c'est des éléments importants. Puis, souvent, les approches qui existent vont se concentrer sur le design de l'interface ou vont utiliser des méthodes de prototypage
qui ont été utilisées pour des technologies classiques, mais qui ne sont pas forcément adaptées à du prototypage pour de l'IA, en sachant que l'IA, elle va apprendre au fur et à mesure qu'on l'utilise, donc elle va changer le contexte d'interaction, et on voit bien que l'expérience utilisateur, elle va aussi évoluer d'une certaine manière. Donc, il y a besoin peut-être de repenser aussi ces méthodes de prototypage-là. Puis, il y a cette nécessité de penser, et je pense que c'est un point un petit peu aveugle aujourd'hui, de penser nos interactions entre le design et les usages et d'alimenter les processus de design par nos connaissances qu'on a sur les usages de ces technologies-là. Alors, ce qui nous a amené à nous à prendre appui sur une tradition qui existe déjà, en sociologie des usages et dans le domaine du design, il y a quand même des traditions qui existent, des traditions de design orientées par les usages, notamment je pense à Nicolas Nova, que je cite là, qui est à Genève, qui travaille dans cette manière-là. Et donc, c'est pour nous, c'est vraiment important d'essayer de comprendre comment le design et les usages de ces technologies d'IA dans des contextes réels de soins, vont interagir et vont se constituer mutuellement et vont s'alimenter, au fait, pour développer ces technologies-là. Donc, c'était vraiment notre question de départ, de dire comment on peut réintégrer les usages dans la conception de ces technologies-là pour prendre en compte, évidemment, tout le contexte social de l'utilisation de ces technologies. Alors, pour repenser ça, ce design-là, je vais m'appuyer sur une recherche qui a lieu actuellement dans le cadre d'un projet international où il y a plusieurs technologies qui se développent et qui sont des technologies qui vont être soutenues par des algorithmes. Alors, la première recherche que je vais présenter, c'est une recherche où on a testé trois technologies en développement pour la maladie de Parkinson. Alors, la particularité de ces trois technologies, c'est ce qu'on pourrait appeler les technologies qui intègrent des capteurs sensoriels, donc soit des capteurs qu'on met sur la peau, qui vont collecter de la donnée, ou alors, comme vous voyez, ça peut être des capteurs, là c'est une caméra qui capte des données de mouvement. Donc la particularité de ces trois technologies, c'est qu'elles captent de la donnée à partir de gestes, de mouvements, d'exercices que vont faire un individu, et elles vont capter ces données-là, les analyser, et en bout de ligne faire des recommandations. Alors ça peut être des recommandations soit sur l'évolution, par exemple pour Spirogym, c'est des exercices de respiration, donc la personne peut voir l'efficacité de ces exercices sur sa fonction pulmonaire. Pour Moveo, ça permet d'identifier l'évolution notamment des problèmes moteurs de la maladie de Parkinson, donc du coup de pouvoir adapter peut-être le médicament ou adapter un peu le suivi. Donc on voit que on va capter de la donnée, on va l'analyser, cette donnée-là va être redonnée au médecin et aussi au patient pour lui permettre d'agir sur sa santé. Et l'autre étude, c'est une approche de co-design d'une plateforme de e-santé qui va soutenir l'auto-soin à domicile. Et l'idée de cette plateforme, c'était que les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson peuvent l'utiliser seules à la maison et reçoivent des conseils de santé personnalisés par des petits messages. Donc, la plateforme, elle va leur demander de compléter, par exemple, une petite enquête sur leurs symptômes. Donc, ils sélectionnent des priorités de santé. J'ai des problèmes moteurs, je ne vais pas bien, je fais de l'anxiété. Ils complètent un petit formulaire. Ils peuvent évaluer où ils en sont à partir de ces problèmes de santé-là et la plateforme va générer des conseils. Donc, ces deux exemples qui vont me servir pour un petit peu pousser un peu la réflexion sur justement l'intérêt de repenser le design de ces technologies-là et l'intérêt d'intégrer la question des usages dans le design. Alors, la première enquête, donc, était basée sur une méthode qualitative qui a été développée par Deborah Lupton, qui fait beaucoup d'études sur l'usage des technologies en santé, qui s'appelle la Digital Story Method Completion, donc la méthode des histoires à achever. Alors, c'est une méthode qui est intéressante parce qu'elle nous permet d'aborder la question des usages avant l'usage. Ce que je veux dire là, c'est que ces technologies-là, elles ne sont pas sur le marché actuellement, c'est des prototypes. Alors évidemment, si elles sont testées, elles vont être testées par un petit échantillon en général. Et là, moi, ce que je voulais voir, c'est sur un plus gros échantillon,
de personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Est-ce qu'il y avait des enjeux d'usage qui pouvaient déjà se poser avant qu'ils l'utilisent à la maison? Donc, des choses qu'on pourrait prendre en considération dans la conception de cette technologie-là avant d'un déploiement en plus grande échelle. Donc, sur cette méthode, elle est basée, c'est une méthode qui a été beaucoup utilisée en psychologie, hein, souvent pour permettre que les gens se projettent, hein, se projettent dans des histoires. Donc, c'est basé sur la narration. Hein, donc, c'est une approche narrative, en fait, c'est basé sur le récit. Et ça permet de partager, je dirais, des significations sociales plutôt que des expériences individuelles. Donc, on ne sort pas de l'entrevue, tu sais, on sort un peu de l'entrevue qui permettra à la personne de parler d'elle-même, mais plutôt d'essayer de s'imaginer un contexte d'usage. Donc, on a utilisé trois histoires qu'on a fait valider aussi avec les médecins et les concepteurs de ces technologies. Donc, la première histoire, c'est l'application, une application pour mesurer donc, sa fonction pulmonaire qui peut diminuer quand on a la maladie. Et donc là, on avait qui est Paul qui était soufflé. Pour gérer ses difficultés respiratoires, Paul décide, sur les conseils de son médecin, d'utiliser une nouvelle technologie disponible appelée Spirogie. Paul décide d'utiliser l'application Spirogym à la maison et de suivre les exercices respiratoires proposés par l'application. Et là, on demandait aux gens, ben, racontez-nous la suite. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, imaginez une suite à cette histoire-là. Donc, il y avait une forme de projection sur des usages potentiels. L'autre technologie, c'est Moveo. C'est une technologie qui mesure les mouvements. Donc, sur les conseils de son neurologue, Paula utilisera Moveo tous les jours pour évaluer l'efficacité de son nouveau traitement sur ses symptômes moteurs. Paula allume son ordinateur, elle s'assied devant la caméra et commence à suivre les exercices et les mouvements que le logiciel lui dit de faire. Et donc, pareil, même principe, qu'est-ce qui se passe après? Et la dernière technologie, c'est PediMonitor, c'est plutôt une technologie portable, donc on met des capteurs. Donc, Marie présente de nouveaux symptômes moteurs depuis quelques mois. Son médecin lui conseille d'utiliser une nouvelle technologie appelée PediMonitor qu'elle doit porter sur elle. PediMonitor comprend un ensemble d'appareils portables pour évaluer les symptômes moteurs et une application mobile qui permet aux patients aidants d'enregistrer des informations sur les médicaments, la nutrition, l'état de nos moteurs. Marie accepte d'utiliser cette technologie pour évaluer ses nouveaux symptômes moteurs. Elle doit porter ses capteurs sur certaines parties de son corps. Donc, on avait trois histoires qui mettaient en scène des personnages. Et nous, ce qu'on a fait, eh bien, on a fait une enquête en ligne pour avoir... Donc, on a utilisé en fait une collaboration avec Parkinson Canada qui nous a permis en fait cette collaboration-là d'avoir une bonne centaine de répondants, puis des gens qui pouvaient répondre à ces histoires-là et puis compléter les histoires. Alors, comment on a analysé ces données? Déjà, dans un premier temps, on a fait une analyse thématique des grands thèmes. Donc, on a repris toutes les histoires qui avaient été partagées par les personnes. On a fait une première analyse thématique. Et après, en fait, on a fait ce que Brown et Clark proposent, un story mapping. Donc, on a décrit la trame narrative des récits pour essayer d'identifier des trajectoires d'usage imaginées, hein, par nos personnes. Donc, on avait à peu près trois grands moments dans les histoires en général. On avait la réaction initiale de la personne, qui souvent traduisait une ambivalence par rapport à ces technologies-là, ou la confiance ou la crainte. Ensuite, on avait le cœur de l'histoire, qui partageait souvent les conditions d'accessibilité et d'appropriation de la technologie. Qu'est-ce qui faisait que la personne s'appropriait tranquillement cette technologie? Et en fait, on avait ensuite les résultats qui pouvaient être positifs ou négatifs, on va le voir. Donc, voilà ce que ça nous donnait. En gros, ces trames-là. Donc, vous voyez au début la réaction initiale ici. On a cette ambivalence, hein, soit la confiance et le plaisir de l'utiliser, soit l'hésitation et la confusion. Alors, par exemple, pour Spirogym, on avait dans l'histoire, un participant partageait l'histoire en disant « Paul est découragé de constater son manque de motivation à suivre un tel programme ». Il se demande s'il est capable de suivre une thérapie avec cette technologie. Donc, on voit bien, donc, d'emblée, les gens partagent un peu, hein, dans cette histoire-là, cette ambivalence. Ensuite, on avait tout un corps d'histoire qui nous faisait partager ce qu'on appelait les conditions d'accessibilité et d'appropriation. Donc, on avait deux conditions importantes qui émergeaient de nos histoires. La première, c'était des conditions d'apprentissage.
il fallait que les gens apprennent à utiliser cette technologie-là. Alors, par exemple, ils regardent la petite vidéo pour être certains d'utiliser correctement l'appareil. Ou alors, Paula may have limited skills and find it frustrating when the technology doesn't work. Par exemple, on a des exemples comme ça. Ça illustrait vraiment très bien qu'il y avait un besoin d'apprentissage supervisé et guidé pour aider les patients à utiliser ces technologies-là. Donc, d'une médiation humaine technique, mais aussi de compétences personnelles préalables, hein, d'une certaine forme de littératie numérique pour bien s'approprier ces technologies. Puis, souvent, les histoires aussi partageaient avec nous ces conditions d'intégration, comment les intégrer cette technologie-là. Alors, par exemple, on avait les données recueillies sont enregistrées dans le logiciel, l'application va analyser les données et afficher la progression des symptômes moteurs, son neurologue aura accès à l'application et pourra ajuster son traitement. Ça, c'est pour un exemple d'histoire pour Moveo. Mais donc, on voit que dans les histoires, en fait, ce qui ressort, c'est qu'il faut qu'il y ait un réseau de support autour de la technologie pour que les gens continuent à vouloir utiliser cette technologie-là, mais aussi que cette technologie-là, elle soit un outil de communication avec l'équipe de soins, donc qu'elle ait une valeur ajoutée. Et on voit bien, il faut aussi que les données qui sont générées par la technologie, elles aient cette valeur ajoutée-là, soit qu'elles fassent une différence dans la prise en charge, soit qu'elles permettent de mieux communiquer avec le médecin. Donc, quand tu parlais tout à l'heure de data valence, on est là, il faut que ces données qui sont produites par l'algorithme, elles aient une valeur sociale, soit qu'elles font une différence dans ma communication avec mon médecin, soit elles font une différence dans ma vie de tous les jours parce qu'elles me permettent de mieux contrôler mes symptômes, etc. Et enfin, finalement, à la fin, ce qu'on avait, si ces conditions, dépendamment de si ces conditions-là sont respectées, hein, si elles sont présentes ou non, eh bien, on a deux résultats possibles. On avait des histoires plutôt heureuses, et on avait des histoires malheureuses, mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ces histoires-là sont malheureuses. Alors, dans les histoires plutôt malheureuses, Paul est stressé, Paul veut arrêter, Paul a peur des résultats. Là, on est en plein dans le data anxiety, donc cette idée d'anxiété que peut générer la technologie elle-même. Et ça, c'est des éléments qu'il faudra prendre en considération peut-être dans la manière, on verra, on pourra en parler, mais dans la manière de présenter les résultats, dans la manière de visualiser les données, etc., pour pas que ça soit anxiogène et agressif d'une certaine manière. Et puis, on peut avoir des réactions plutôt positives, hein, donc où Marie doit s'adapter à ses nouveaux capteurs et éprouve de la difficulté au début, mais elle réalise qu'elle comprend mieux les signes que lui donne son corps et cela l'aide pour mieux gérer sa médication. Donc là, c'est cette idée où oui, ça peut être gênant, mais le fait qu'elle arrive à comprendre sa maladie grâce à la technologie, donc à donner une valeur à ces données-là, ben ça fait en bout de ligne, ça la motive et ça la motive à continuer à l'utiliser. Donc, on voit que ce qui va être au cœur quand même de ces histoires-là, c'est toutes ces conditions d'intégration qui font que la technologie, je vais l'intégrer à mon quotidien, qui font qu'elle va avoir une valeur pour moi, mais on voit aussi que les données qui sont générées par ces technologies-là, pour qu'elles aient une valeur sociale, pour pas qu'elles soient anxiogènes. Donc, il y a quand même un travail au niveau du design qu'il va falloir faire en termes de visualisation de la donnée, par exemple. Le deuxième exemple que je vais vous donner pour illustrer comment, quand on travaille sur les usages, alors là, notre enquête, la première enquête, c'était plutôt des usages anticipés, des trois histoires d'usage imaginés. Là, on va le voir, dans une technologie qui se co-design avec des personnes vivant avec la maladie de Parkinson. Donc, on a eu trois phases dans l'approche de co-design, quatre phases, je veux dire, la phase de préparation, de mapping, de test et de solution finale. Et à chaque fois, on avait un processus itératif à l'intérieur de ces phases-là. Si vous voulez avoir plus de détails vraiment sur le projet lui-même, il y a un article qui a été publié, donc je vous renverrai vers l'article, parce que nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la phase 3 et à la phase 4 pour montrer comment des usages en situation réelle peuvent justement faire une différence dans le design et comment prendre en compte ces usages-là peut faire une différence dans le design.
Alors, dans la phase 3, on avait invité, on avait déjà un prototype viable hein, qui pouvait être testable, qui avait déjà été co-designé. Et là, les personnes pouvaient tester ce prototype-là à la maison, tranquillement, chez eux, pendant 3 semaines. Donc, faire un usage réel chez eux. Et on pouvait documenter cet usage-là. Et à partir de cette expérience d'usage à la maison, eh bien, on a, dans la solution finale, on a essayé de répondre à des problèmes qui s'étaient posés pendant cette utilisation à la maison. Alors, juste pour vous parler de l'application qu'ils ont testée, en fait, au début, ils rentrent dans la plateforme et on leur demande d'identifier des priorités de santé, alors soit liées à la santé physique, santé mentale, mais aussi au style de vie en général, de manière large. Ça, on a rajouté cette partie-là suite aux premières phases de co-design où les patients trouvaient qu'on limitait trop santé mentale et santé physique, mais que bien vivre à la maison avec sa maladie, c'était aussi prendre en compte le fait de pouvoir aller au restaurant, faire ses activités quotidiennes, donc tout ce qui est ce qu'on a appelé un peu le style de vie quoi, en général. Pour eux, c'était la qualité de vie, ça ne se résumait pas à sa santé mentale ou à sa santé physique, mais aussi à l'aspect socialisation qu'on pouvait avoir, etc. Et donc, quand ils cliquent sur les priorités, là apparaissent des priorités qu'eux veulent définir. Par exemple, ça pourrait être une priorité pourrait être de continuer à vivre dans sa maison. Une autre priorité, ça pourrait être de contrôler ses symptômes moteurs ou de contrôler son anxiété, etc. Donc, ils vont sélectionner leurs propres priorités de manière personnelle. Et à partir de là, la plateforme va générer une sorte de petite enquête, un Care Priority Tracking Survey. Donc, l'idée, c'est un outil de self-tracking de ces priorités-là, où ils vont évaluer hein, sur une échelle s'ils sont capables, s'ils ont une autonomie, s'ils ont des problèmes de mémoire ou des problèmes cognitifs qui changent, de mobilité, pour l'exemple-là. Et là, ils cliquent comment ça va aujourd'hui. Et à partir de ce qu'ils ont cliqué, la plateforme va générer un petit message ou un petit conseil de santé personnalisé pour les aider dans la gestion de leur quotidien. Et ils peuvent avoir accès à des ressources complémentaires aux besoins. C'est un petit peu comme ça que fonctionne la plateforme. Alors, quand on a fait le test à la maison, les participants ont été invités à utiliser la plateforme pendant 3 semaines, le prototype à la maison. Ils ont reçu un petit livret d'évaluation, donc ils devaient compléter ce petit livret-là à la maison, une sorte de, ils documentaient leurs usages à la maison. Alors, vous voyez, il y en a qui ont pris beaucoup d'attention à documenter hein, les commentaires. On avait énormément de commentaires, beaucoup, beaucoup. Donc, très investis dans les commentaires par rapport à ça. Puis, ça nous a permis à nous de voir que ben, je pense que c'était important ce passage vers l'utilisation à la maison parce que il faut savoir que le design, ben, c'est en relation aussi avec ce que j'ai appelé des pratiques incarnées. Ça veut dire que des pratiques réelles dans son domicile, à la maison, seul ou en compagnie de quelqu'un, etc. Donc, il fallait que cette réalité-là aussi, elle soit présente. C'est l'idée aussi d'être inclusif, ça veut dire que ben, il nous faut aussi prendre en compte la réalité des personnes. Ça se peut que la personne elle soit pas capable d'utiliser la plateforme seule et qu'elle veuille l'utiliser de manière collaborative. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé plutôt une tablette, un ordinateur, etc. Les choix qu'ils ont fait aussi hein, de manière à pouvoir la rendre plus inclusive possible. Une plateforme aussi, on voulait une plateforme qui puisse être flexible, donc qui puisse s'adapter à différentes configurations d'usage. Et donc, l'idée à ce moment-là aussi pour nous, c'était de garder toutes les options ouvertes. Hein. Donc, même si on avait un prototype, on pouvait déconstruire des choses et renvoyer vers d'autres fonctionnalités. Alors, ce qui est sorti... À ce moment-là, on a fait une analyse un petit peu de contenu de tout ça, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux importants. Premier enjeu, c'est la question de l'utilisation sur le long terme.
les gens ont dit, au bout d'un moment, je m'ennuie en l'utilisant. Elle n'est pas assez interactive, elle n'est pas assez personnalisée, ce qui fait que les utilisateurs soulignaient beaucoup de problèmes. Puis, on sait que pour ces technologies-là, le taux d'attrition, il est important. Et d'autant plus que c'est une maladie chronique, ils ne sont pas amenés à l'utiliser juste 3 semaines ou 15 jours, mais peut-être sur le plus long terme. Donc, le fait qu'il y ait ce signal d'envoyer pour nous qu'elle avait un potentiel d'être utile, mais que son potentiel actuel ne permettait pas un usage sur le long terme, c'était quelque chose qu'il nous fallait approfondir. Et pourquoi ? Eh bien, ce qui ressortait beaucoup, 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 c'était le niveau de personnalisation. C'est-à-dire qu'ils trouvaient que les messages de santé qu'ils recevaient n'étaient pas suffisamment personnalisés. Certains avaient réagi, par exemple, j'ai des femmes qui réagissaient en disant « écoutez, on me demande, y a des conseils que je voudrais qu'ils soient plus orientés vers des problématiques que moi, en tant que femme, je rencontre. » Il pouvait y avoir aussi des problèmes de personnalisation au niveau du stade de la maladie, des gens qui vivaient avec la maladie depuis très très longtemps, depuis 10 ans, ou des gens qui étaient nouvellement diagnostiqués, il n'y avait pas les mêmes besoins, puis des fois les messages étaient un peu génériques. Et puis il y avait aussi, parfois, actuellement, la plateforme ne génère des conseils de santé que quand ça va mal. Et c'est un petit peu comme ça que les patients le disent, ça veut dire que quand ils cliquent dans leur self-tracking que ça ne va pas bien, la plateforme va envoyer un message, un conseil. Mais s'ils cliquent que ça va bien, elle n'envoie rien du tout. Et eux, ils disent, pourquoi elle ne m'envoie rien ? Je pourrais recevoir aussi. Et c'est vrai, ils pourraient aussi recevoir un message de motivation ou d'encouragement ou quelque chose comme ça. Ce que ne fait pas la plateforme maintenant est très orientée vers des messages vraiment de santé. Ce qui fait que ça aussi, ça a été une question un peu de frustration. Alors, du coup, ce qu'on a fait, nous, on a fait ce qu'on appelle une session de design critique. Donc, c'est des sessions où on reprend tous les problèmes, mais on les aborde dans un mode solution. Ça veut dire, on essaye de voir les problèmes qu'on a identifiés et quelles sont les solutions qu'on peut proposer. Alors, c'est sûr que nous, par exemple, ce qui ressortait, s'il fallait qu'elle soit signifiante, donc elle est une approche holistique de la maladie, donc pas juste concentrée sur le médical, mais aussi prendre en considération tout l'aspect de la vie sociale, qu'elle soit beaucoup plus personnalisée, donc elle adapte le contenu des conseils et des ressources au profil des utilisateurs, puis qu'elle soit beaucoup plus humaine au niveau du langage utilisé, beaucoup plus empathique, beaucoup plus positif. Ça, c'est ce qui ressortait de l'analyse de ce test à la maison. Alors, pour vous montrer quelques exemples de solutions, une première solution, par exemple, ici, avant, quand les gens recevaient les messages de santé, ils n'avaient pas les petits, ils recevaient ici les messages de santé, donc qui sont à partir des données collectées. Donc, c'est le système lui-même qui génère le message et qui l'envoie. Mais certains de ces messages-là n'étaient pas adaptés, pas suffisamment personnalisés. Alors, suggestion de solution par nos participants, c'était de pouvoir affiner la personnalisation en disant ce conseil-là, il ne m'aide pas. Je mentionne à la plateforme que ce conseil-là, il ne m'a pas aidé, ou au contraire, que ce conseil-là, il m'a aidé. Donc, du fait de pouvoir donner à l'utilisateur la potentialité de dire ce conseil m'est utile ou m'est pas utile pour redonner un feedback à la plateforme et peut-être augmenter le niveau de personnalisation. Alors, en gros, c'est un système, du coup, une combinaison de deux stratégies de personnalisation. Une stratégie qui est basée sur adapter le contenu des messages par le système lui-même, mais aussi adapter le contenu des messages par le feedback des utilisateurs. Et donc, de pouvoir avoir ces deux approches-là. Et donc, du coup, dans la prochaine génération de plateformes, ça nous amène à la construction d'un système de recommandation. Donc, à l'origine, comme vous le voyez, il n'était pas forcément décidé d'avoir un IA ou un algorithme particulier, mais là, on va vers ça pour renforcer. Donc, c'est l'usage qui nous amène vers l'IA. C'est-à-dire que la démarche ici, c'était intéressant parce que ce n'était pas forcément une IA au départ, mais c'est l'usage qui nous amène vers un algorithme d'apprentissage. Et donc, ça prend cette forme-là aujourd'hui.
Donc, dans les care teams qu'ils ont reçus, est-ce que vous les avez essayés ou pas? Ils peuvent dire ou non. Et puis, à ce moment-là, ils vont pouvoir aussi, si par exemple, ils ne les ont pas essayés, la plateforme va juger que, ben, ils ne sont pas utiles. Donc, du coup, elle va peut-être en générer des autres. Autre modalité qui est intervenue, c'est que ce qui apparaissait dans les résultats, c'est qu'un enjeu souvent, hein, pour les personnes qui vivent avec cette maladie-là, c'est de trouver des ressources proches de chez elles. Donc, par exemple, ils doivent avoir accès à un orthophoniste, un physio. Alors, imaginons que la plateforme, elle génère un message de santé qui dit on vous conseillerait de prendre contact avec un physiothérapeute pour faire plus d'exercices, etc. Ben, c'est bien beau de dire ça, mais est-ce que j'ai un physio qui est disponible près de chez moi? Donc là, l'idée, ce que souhaitaient les patients, c'est qu'on puisse les aider à identifier les ressources disponibles proches de chez eux. Donc, il y a un système de géolocalisation des ressources qui a été intégré à la plateforme qui leur permet justement de pouvoir accéder à des ressources qui sont proches de chez eux. Système comme on le retrouve des fois quand on utilise un Google. Donc là, c'est juste des ressources qui sont identifiées pour eux, puis qui peuvent contacter au besoin. Donc, c'est l'idée aussi que la plateforme va les connecter à des ressources au sein de la communauté en les aidant à les trouver, ces ressources-là. Donc, on a dans les futures recherches ici, c'est vraiment l'idée de développer une plateforme qui est plus sophistiquée au niveau de la personnalisation, donc probablement vers un système de recommandation qui va reposer sur un système d'intelligence artificielle. Pour l'instant, on en est là, mais c'est sûr que ça soulève un certain nombre de questions, hein, en termes de données que justement on va vouloir collecter. La personnalisation, ça veut dire quoi? Ce n'est pas forcément une personnalisation uniquement sur l'âge ou le genre ou le niveau, le stade de la maladie, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à prendre en considération pour personnaliser ces messages-là. On parlait du langage, etc. Donc, il y a ces dimensions-là à prendre en considération. Donc, ça vous donne un exemple ici aussi de comment, à partir des usages aussi, on peut être amené à travailler sur le développement d'une IA. Donc, l'IA n'était pas là au départ, hein. Elle est là plutôt vers la fin. Donc, quelques pistes de réflexion pour terminer ma présentation. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est quand on parle de développement de technologies d'IA en santé, et là, en l'occurrence, j'ai plutôt focusé sur des technologies qui vont être utilisées par des patients pour soutenir l'auto-soin et donc qui font appel souvent à des capteurs ou des senseurs ou qui vont collecter de la donnée pour justement les accompagner dans leur prise en charge. Mais je pense que c'est important de repenser justement les usages et le design de manière interconnectée. Ça veut dire de se dire d'observer des pratiques sociales, de comprendre des pratiques cliniques, de comprendre des expériences de vie avec la maladie, de comprendre des logiques d'action aussi de l'acteur au quotidien. Donc ça, il faut développer aussi des manières de comprendre ces pratiques-là. C'est aussi un design qui est incarné, on l'a vu quand on les fait tester à la maison, c'est dans leur réalité, dans leur contexte. Mais ça pose aussi la question des méthodes de prototypage qu'il faudra aussi interroger par la suite, qu'on n'abordait pas là, mais je veux dire qu'il faudra à un moment donné interroger. C'est la question des données, de la signification des données, de la valeur sociale de ces données. Je pense que c'est des choses aussi à intégrer, à impliquer les acteurs dans le choix des données pour que ces données elles soient beaucoup plus inclusives, exploitables, signifiantes, mais aussi comprendre la valeur sociale qu'accordent les gens qui utilisent ces données-là à ces données. Ça exige aussi peut-être de travailler sur le design de la manière de présenter ces données-là à l'écran, donc en termes de visualisation ou de petits messages, mais aussi de présenter ces messages-là. Et puis évidemment, de bien comprendre les trajectoires d'usage. Ça veut dire, on a vu avec la première enquête, c'était plutôt des trajectoires d'usage imaginées, puisqu'ils n'ont pas utilisé les technologies. Mais ça veut dire qu'on peut déjà interroger avec certaines méthodes des trajectoires d'usage imaginées. Mais c'est aussi se concentrer aussi sur des expériences socialement situées, s'interroger à l'écologie de l'activité. Et ça exige aussi une certaine forme de proximité avec les utilisateurs. Donc voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Merci. Merci beaucoup. Donc,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ajouter vos questions dans le chat. On a des questions? C'est tellement belle comme méthode pour humaniser l'expérience des amis, je trouve ça dans l'endroit social. J'aime beaucoup votre méthode, me fait penser à les desire paths. Donc, quand on a un territoire et on voit, oh, tout le monde marche par ici, on fait un petit endroit ici pour eux. Et comme pour Cosine, c'est comme Marie. Comment est-ce que vous pensez aux questions de comme, équilibriser des desire path approach et des recommender systems qui peut-être comme, donnent un petit nudge pour dire, oh, peut-être allez par là, à des utilisateurs. Mais, ouais. Mais je pense que justement, je pense que les deux sont pas. C'est sûr que nos utilisateurs vont peut-être idéaliser aussi, vont nous construire un monde idéal, mais le fait de co-designer avec aussi, c'est aussi de ramener aussi aux utilisateurs potentiels des contraintes qui peuvent s'imposer, qui peuvent être des contraintes éthiques, qui peuvent être des contraintes technologiques aussi, des contraintes budgétaires, hein, parce qu'il y a aussi ça. Et donc, ce que je trouve intéressant dans les... Alors, pour nous, actuellement, on ne sait pas quel type de système de recommandation, parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc il faut évaluer un peu peut-être la pertinence de chacun et celui qui serait le plus approprié. Mais on doit aussi travailler, alors ça dans la deuxième phase là, qui s'en vient, où on va avoir des ateliers pour travailler justement les qu'est-ce que c'est qu'un message personnalisé, qu'est-ce qu'on attend de ce message-là, qu'est-ce que devra recommander le système de recommandation, qu'est-ce qu'on voit, donc juste pour imaginer un peu, pour imaginer aussi le genre de données que le système va collecter, quel genre de données il a besoin, le système, pour faire des recommandations. Donc, on va essayer de travailler ça aussi avec nos acteurs, mais en sachant qu'effectivement, il y a aussi les intérêts des médecins ou des infirmières qui veulent aussi... éduquer des patients aussi à prendre en charge. Donc, ces intérêts-là, et c'est ça l'intérêt du co-design, c'est qu'on a des intérêts multiples, là, des façons de voir le monde qui sont multiples, qu'on fait travailler ensemble. Souvent, les gens qui vont adopter une approche de co-design disent aussi que c'est des espaces d'apprentissage, hein, parce qu'on apprend des uns et des autres. Alors, effectivement, il y a aussi le fait de pouvoir créer aussi cet espace d'apprentissage-là et de pouvoir, alors comme chercheur aussi, de pouvoir aussi se faire parfois le médiateur, hein, de ce qui va être discuté d'une certaine manière dans ces ateliers. On a une question dans le chat. Est-ce que toutes les applications sont juste des prototypes ou elles existent déjà? Alors, l'application, pour l'application eCarePD, elle existe là. Donc, c'est une version 2.0 qui existe, mais qui est une version qui est fonctionnelle puisqu'elle va être testée en Ontario, là. Donc, elle est fonctionnelle. Et le partenariat avec Parkinson Canada permet aussi d'avoir un niveau plus élevé plus tard. Mais là, on attend, je pense, la dernière phase, là, augmenter la personnalisation pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, mais elle existe déjà. Elle n'est pas juste déployée à grande échelle, elle est déployée sur des projets pilotes avec un certain nombre de patients, parce que ce que les médecins veulent voir aussi, c'est est-ce qu'elle fait une différence sur la qualité de vie des patients ou pas, donc est-ce qu'elle a un avantage d'une certaine manière sur le plan médical. Donc, c'est un peu aussi, c'est un processus long, hein. C'est un peu comme un médicament. Un médicament, on ne met pas sur le marché du jour au lendemain. Une appli mobile, on va se garantir qu'on suit un schéma aussi. Donc, celle-là, elle est là. Pour les autres applis, PD Monitor existe. Vous allez voir sur les net, tapez PD Monitor, je pense que Parkinson, vous devriez le trouver. Il est déjà en phase de bien, c'est les Italiens qui l'ont développé, donc il est déjà là. Je pense qu'il y a une compagnie privée qui est impliquée, etc. Pour les deux autres, sont encore en phase de développement. J'ai une question possiblement en deux parties. Donc ouais. Premièrement, est-ce que ces applications ont un élément de comme reconnaissance faciale ou reconnaissance d'un corps d'une personne,
Ben, pour Moveo, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, oui. Moveo, où la personne fait des... c'est une caméra, oui. Mais la caméra, elle est programmée pour... en fait, le système donne des instructions à la personne qui est dedans ou devant la caméra où elle doit faire certains mouvements, d'accord? Donc, des mouvements qui ont été évidemment décidés par les médecins, qui sont des mouvements qui permettent aux médecins d'évaluer justement les symptômes de la personne. Oui. Donc, la personne fait des mouvements particulier devant la caméra. Donc, la caméra, évidemment, elle va capter plein de choses au niveau du visage, au niveau des doigts, oui. parce que c'est très fin. Elle doit mesurer, je dirais, l'évolution de la maladie par rapport à un temps 1, un temps 2, un temps 3. Est-ce que la personne est capable de faire les mêmes mouvements, au même rythme, à la même vitesse? Donc, elle capte beaucoup de données. Donc, on est avec Moveo dans ce cadre-là. OK. Donc, deuxième partie, est-ce que les chercheurs ont trouvé qu'il y a un problème au niveau du capteur, la captation des données pour les gens qui ne sont pas blancs? Il y a plein de recherches sur comme le racisme et... Oui. Reconnaissance faciale. Donc, est-ce qu'il y a comme... Alors, je pense que le Moveo, il faudrait que je vérifie, mais je ne pense pas qu'il utilise des outils classiques de reconnaissance faciale. Okay. C'est plus... en fait, le corps est décomposé. C'est des points sur la main. Donc, c'est juste... La main, en fait, c'est comme un point. Donc, la couleur ne joue pas trop parce que c'est comme le point... Et donc, on le voit d'ailleurs sur l'image, on voit des points qui sont là, puis ça trace des fils verts. Puis il y a des points sur le visage qui sont des points qui doivent correspondre à des dimensions de nos muscles, qui sont les mêmes pour les muscles qui se rigidifient chez Parkinson. Donc ça je pense qu'ils ont dû mettre des points, vous voyez, et c'est ces points-là qui sont mesurés, en fait. Donc, c'est pas forcément lié à la couleur, mais c'est plus lié à des mouvements qu'on va avoir de nos muscles. Donc, oui, en fait, les muscles sont les mêmes pour tout le monde. Oui, les os du visage, les muscles, voilà. Il n'y a pas la question de... Mais par contre, ce qui est intéressant et ce que je trouve intéressant dans la question, c'est qu'effectivement, souvent dans les tests d'usage qui sont faits, là, il y a une tendance à prendre un patient type. Oui. Je vais donner un exemple. Nous, on a travaillé pour une autre appli en cardiologie. Et vous savez qu'en cardiologie, souvent, ben, maintenant, moins, on met plus l'accent sur la santé du cœur des femmes parce que les symptômes des femmes ne sont pas les mêmes que ceux des hommes quand on fait un infarctus. Et ça, c'est dans la médecine. Il y a eu une tradition, souvent, la symptomatologie décrite, c'était celle des hommes. Et là, maintenant, on revient un peu, mais par exemple, quand on va tester des technologies comme ça, c'est important d'avoir un échantillon de femmes, d'hommes, de jeunes, de moins jeunes, de toute diversité culturelle, parce qu'on veut pouvoir prendre en considération cette diversité-là. Pour Parkinson, par exemple, on a demandé d'avoir un échantillon d'hommes et de femmes. C'est une maladie qui touche beaucoup plus les hommes aussi, même s'il y a des femmes. Mais les enjeux, par exemple, pour la qualité de vie à la maison, ne sont pas les mêmes quand je suis un homme ou une femme. Les femmes, par exemple, ont une charge mentale beaucoup plus forte. Elles se sentent responsables de la famille. On sentait que, par exemple, certaines femmes disaient qu'elles avaient annoncé leur diagnostic à la famille des fois un an après, parce qu'elles ne voulaient pas le dire. Donc, on peut imaginer que c'est vraiment important aussi de prendre en considération ces éléments-là. Et surtout dans le co-design, on a la possibilité de faire des ateliers, d'inviter des participants de partout. Tu sais, donc, il faut ouvrir les ateliers. C'est ça? Oui, absolument. C'est tellement intéressant. Donc, une autre question. Question par curiosité. Lors des essais, avez-vous identifié des usage de l'outil ou des suggestions surprenantes auxquelles vous n'aviez pas encore pensé? Ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, le système de géolocalisation, vous avez vu, au début, il n'existait pas. Pas du tout. En fait, ce qui existait au début, c'est une sorte de bibliothèque électronique de ressources, vous voyez. Donc, il y avait comme des ressources pour les nouveaux diagnostiqués, des ressources pour les aidants naturels. Là, ils cliquaient. Puis,
Puis, c'est en discutant à la fois avec une infirmière, des patients, donc c'est vraiment dans un esprit de co-construction, qu'il y a une infirmière qui, à un moment donné, dit « Ah, ben, elle dit, moi, quand je dois référer un patient à une ressource, j'utilise ça. » Puis, elle nous montre un truc qu'elle utilise qui était super intéressant. Puis, il y a un patient qui raconte une histoire aussi, qui dit ben, « Moi, quand j'ai vu l'infirmière, elle m'a fait des recommandations sur des ressources près de chez moi, c'était super utile. » Puis là, on s'est rendu compte que ce qu'elle, elle utilisait, c'est comme un système de géolocalisation. Puis, ça, l'idée a germé comme ça, puis ça a fait des… Et donc, du coup, c'est devenu ce système de géolocalisation. Alors, des gens ont pris l'exemple d'un Google Map, toi, puis ça prend cette forme-là. Donc, souvent, ça n'est pas venu d'une personne, j'ai envie de dire. C'est la discussion qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a émergé de cette discussion-là, puis ça s'est transformé comme ça. Oui, non, c'est ça. C'était intéressant parce qu'à la fois, ça faisait partie de la pratique de une infirmière qui avait utilisé ça, pas toutes, hein, oui. Et qui disait, ben, moi, j'utilise ça, ça m'aide bien dans mon travail, oui. Pour les conseiller. Bon, on a regardé ce que c'était, c'était super intéressant. Puis en même temps, les patients disaient, ben, nous, ce qui est difficile, c'est de trouver des choses près de chez nous, oui. Etc. On ne peut plus conduire parce que quand la maladie progresse, ils ne peuvent plus conduire, il faut qu'il y ait des transports adaptés, donc plus c'est proche de chez eux, mieux c'est. Etc. Donc, il y avait vraiment cette idée de pouvoir partager des ressources. Je dois changer mon champ de recherche. C'est tellement intéressant. Je pense que c'est la dernière question. Vous avez également parlé de la maladie de Parkinson. À cette maladie, est-ce qu'il y a d'autres maladies qui seront développées dans ces applications? Ben, il y a d'autres, c'est sûr qu'on a une collaboration aussi avec l'Institut de cardiologie, donc ils développent une appli spécifiquement. Alors là, c'est vraiment beaucoup plus pointu. Eux, c'est en fait le médecin veut éviter des récidives d'infarctus du myocarde pour des gens qui ont déjà fait un infarctus et qui ont le cœur, le muscle cardiaque qui a été très atteint. Donc lui, il a une mesure spéciale comme cardiologue qui dit. Et donc, ces gens-là sont très, très à risque de refaire un infarctus et une mort subite, donc de décéder. Donc, lui, il a créé une appli pour que ces personnes, elles suivent l'évolution de leur muscle cardiaque, qu'elles puissent mieux discuter avec leur cardiologue de ça, puis des changements à faire dans leur vie, donc avec tout un système d'éducation aussi, des changements à faire dans sa vie. Lui, son hypothèse, c'est que cette appli-là, elle pourrait réduire le taux de mortalité de ces gens-là, s'ils étaient mieux informés sur l'atteinte de leur muscle cardiaque et ce qu'il y a à faire. Donc, ça, c'est un autre exemple. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. On n'a pas d'autres questions, mais je veux juste redire que c'est une présentation tellement intéressante. Je vais ajouter avec permission à la vidéo sur notre canal YouTube. Et pour les gens qui sont ici en ligne, merci d'être ici avec nous. Notre prochain atelier, c'est la semaine prochaine avec Kelly Bronson sur la question de Big Data dans l'agro-industrie. Donc, c'est un autre sujet tellement intéressant. Donc, merci Sylvie d'être ici avec nous et j'espère de vous voir dans une semaine. Merci pour l'invitation.